Et les gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog dissentrop.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Metro Last Light, donc un jeu PC qui m'a été offert par Conrad. C'est parti pour un tour, on y va. Rappelez-vous, nous étions sur la place rouge, nous l'avons traversée et on s'apprêtait à remonter cette pente. Artyom, il y a des gens mauvais, beaucoup, très rouges. Ah, c'est joli quand même ici. Encore une fois, j'aime bien ce style d'ambiance. Et pourtant, j'ai du mal avec Last of Us. Les gens mauvais, très rouges. Donc, il connaît les intentions des gens. Yogi Geek, comment vas-tu? Arme sur le sol et mets les mains derrière la tête. Mais je rêve, c'est Artyom. Eh ben, il fallait bien que ta chance se lâche un jour. Tu peux ignorer l'ordre concernant l'arme. Camarade, nous avons reçu des ordres spéciaux du camarade Corbus à propos de ce ranger. Nous devons l'éliminer. Feu! Feu à vous! Ne reste pas là. Je vais aider. Assez fatigué. Suivez à l'attaque! Éliminez-le! Suivez les ordres! Il y avait un au-dessus là. Je sais pas si je l'ai eu. Il est où le point vert? Médic, 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 médic. Je tire comme une quiche. Ah, c'était pas joli, joli ça. Hein. Vraiment pas joli. Vers la loose et au-delà. Les bisous Kainou, c'est les bisous Kainou. Ah non, c'est bonne nuit. Bonne nuit à toi, Celt. Fais de beaux rêves. Merci d'être passé encore une fois. Prends soin de toi. Bien prendre soin de toi. Bien prendre soin de toi. Repose-toi bien. Et puis bon courage pour demain. En espérant que tu seras pas trop fatigué pour faire un live. C'est bien les lives. Bah je suis mort bêtement. J'ai été très nul. Encore une fois. Mais ça vous étonne? Pas moi. Ah mais... Ah, encore un. Pose ton arme sur le sol et mets les mains derrière la tête. Mais je rêve, c'est Artyom. Eh ben... Ne reste pas là, je vais aider. Assez fatigué. Suivez à l'attaque! Éliminez-le! Suivez les ordres! J'ai pas envie. Je l'ai eu ou pas lui? Je vais t'aider à voir. Ça couvre que dalle ça. Vois le feu. Ce passage. Y'a du monde. C'est à voir.
très mauvais. C'est vrai? T'as eu ta chance. T'aurais pu rester à la ligne rouge. On t'aurait embauché. Et il fallait que tu te chasses. Et tu te ramènes. Tu devrais utiliser ta tête de toi. Corbus, t'avais complètement oublié. Tu peux toujours rêver. Moi non plus, j'ai pas oublié. T'aimes pas mon prochain frère. T'as pas voulu nous rejoindre. Alors tu vas crever ici. Mais j'ai pas envie de crever, moi. Je suis bien vivant. Enfin, en tout cas, je me sens bien. Il est là. Merde ! Ça me fume. Encore tiré. Un peu. Bon, Artyom, ça commence à être lourd. Soldats, achevez-le. J'ai pas envie. Il y en a d'autres, il va falloir que je fasse gaffe. J'essaie de rester concentré. Dans l'ensemble, il est bien. Mais en tout cas, je suis assez bluffé par les vidéos qu'ils nous présentent à chaque fois. Du jeu. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des lumières planquées là-bas derrière. Penche-toi. S'il te plaît. Ça pique quand même un peu, hein. Je retiens ici. Vu. On va passer de côté. Eh mais j'ai quasiment plus de balles, j'avais pas fait gaffe. On doit manger. Ah ouais, mais j'ai plus de munitions de... Alors, t'as décidé de te montrer. T'as l'écran, je te l'accorde. Allez, Ranger, tu es mutile. Comme tu sais si bien le faire. À moins que tu aies la frousse. Alors, Tom, tu te dégonfles. Merde. Tu es un putain... putain de costaud. Alors... tu viens finir le boulot ou quoi? Viens par ici! Allez, Artyom! Viens un peu ici. Je peux plus courir après toi. Mais je peux toujours te mettre une balle sur la tête si je te vois. T'inquiète pas! Ouais, Artyom. T'es doué. Très doué. Finis ce que t'as commencé. Mais tu le dis à chaque fois, faut que tu meurs au bout d'un moment, tu sais, hein. Tes camarades ont eu la gentillesse de mourir plus vite. Vu. Il est pas rouge, pas en colère. Juste... triste. Je comprends pas. Pourquoi t'es triste? Bah alors? Oh! Un couteau! Pas de remords, pas de regrets. Mais t'es qui en fait? T'es Pavel? T'es Pavel. Qu'est-ce qui te prend? Tu lâches la créature sur moi? Tu parles d'un héros. Le test d'Octiabreskaya a été un succès. Le virus tue vite et meurt vite ensuite. Si on peut s'en procurer assez, on pourra nettoyer tout le métro. Cependant,
on doit d'abord s'emparer de D6. Camarade Morozov, nous n'avons qu'une chance d'y parvenir. L'Ordre compte de bons combattants, mais ils sont trop peu nombreux pour couvrir tous les points d'entrée. Nos éclaireurs ont localisé une entrée mal gardée par le Kremlin. Tant que Melnik sera à la conférence pour la paix à Polis, il ne pourra pas diriger ses hommes. C'est à ce moment-là qu'on frappera. Oui, encore une semaine, et nous serons à l'aube d'une ère nouvelle. Décide. Tu pars. Tu aides. Décide. On peut pas rester. Artyom ! Il se passe des choses bizarres, oui. Hein. Pardon. Oh. Merci. Je m'en souviendrai. C'est beau. Ah que c'est beau. On l'a pardonné. Bon, on va où maintenant? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le truc au-dessus. Ah, je crois que je peux passer par là. Bon, ben, au revoir Pavel, hein. J'espère que t'en souviendras. Essaye de me retuer la prochaine fois, bah, quick. On t'achève. Il y a un masque là, je peux pas le prendre. Non. Je ne peux point le prendre. Fin d'un niveau. Et j'avais plus de balles pour certains, mais c'est vrai. Nous sommes arrivés à Polis à temps pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix. Juste la guerre. La dernière guerre. Maintenant, je connais les réponses à toutes les questions. La tête de Pavel a été une mine d'informations pour connaître les plans de Corbut. On va où là? C'est très étrange ici. Attends. On dirait qu'il y a un sacré pote en face. C'est joli là aussi. Il faut que je voie. Bah vas-y, balade-toi. T'es assez grand pour te débrouiller tout seul. Non, c'est faux, je suis pas là. Encore une fois, c'est sacrément joli. J'aimerais bien un même genre de truc, mais dans... comment on appelle ça? Dans Paris? Je veux dire, comment on appelle ça dans Paris? Oui, Paris. À quoi ça ressemblerait? Un Paris détruit. Ça. Je suis en train d'aller où moi? On va passer par là. Ah! Les deux pieds dans l'eau. Passer, hein, merci. Il y a un démon par là-bas. Ah.
Ah non, ça va être au-dessus, il y aura une machine là, ici. C'est tout ce qu'il y a là? Ah, j'ai que 3 balles quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 balles? Modem Warfare 4 en novembre. Comment ça? Moi je t'avoue que je ne connais pas du tout Modern Warfare depuis enfin Modern Warfare ou... Bah je pense que c'était Modern Warfare, MW4, ça serait quoi si ce n'est pas Modern Warfare. Ok, j'ai compris. Prenez vos balles quoi. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Prenez vos balles, on vous tire dessus au fusil à pompe, quoi. Vers la loose et au-delà. Hop là. Est-ce que j'ai mis Kishman? Je sais plus. Oui, des Kinder. Tant que j'en ai, j'en profite. Ouais, mais c'est un dernier que j'ai fait, justement. Ah, mais le sol qui tremble au moment où je tire, quand on perd des munitions en plus. Largement les esquiver ceux-là, j'ai l'impression. Si on se planque un peu. Rien ne nous oblige à les attaquer. Waouh, je suis pas là. Ah bah si, mon vieux. Faut me laisser tranquille les gens. Si vous m'attaquez pas, je vous attaque pas. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans si vous m'attaquez pas, je vous attaque pas? Toi tu m'as attaqué, donc t'es mort. Et t'es où le suivant? Voilà. Non mais oh. J'avais prévenu, j'avais donné mes intentions dès le départ. Là encore. J'ai du mal avec le fait qu'il soit aussi solide. Ah, désolé Red. Vivement la fibre. Comment ça va? Bonne nuit Aria, merci beaucoup d'être venu encore une fois. Prends soin de toi, fais de beaux rêves, bon courage pour demain. Et à la prochaine j'espère. Salut, bisous. Bon, on va aller voir s'il se cache là-bas. Et c'est des ours mutants, non? C'est quoi, c'est une nosaligiante ça? Ou alors c'est une maman qui appelle ses petits? Ils sont en train de nous dire, voilà, il y a les petits, c'est ça? De quoi le 16? C'est code 15, oh. Ça fait beaucoup de Call of Duty quand même. Ah
ce qui se passe là-haut. Il fait déjà beau. Ah! La foudre qui vient de taper lieu là-haut. Ah! Ça sent le boss! Tiens, il y a le gamin qui est là-haut. Elle protège ses enfants. Attention! Complètement fermé, où est-ce que je peux me barrer? Peut-être que je pourrais me barrer par ici après. Ouais, 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 reste pas conscient de toi, s'il te plaît. Mais tu fais mal! Elle protège son dos, c'est son point faible. Mais je me prends une claque à chaque fois, c'est pas juste. C'est elle qui veut que je tue. C'est ça une arène. Oh, oh. Merci à Yurseba. Merci beaucoup pour le host. Ça fait plaisir, attendez. D'accord, si tu as fait le dessin pour ta sœur en fait. Red. Si je comprends bien. Oh bah ça, tu t'es bien amusé. Ils sont pas colorisés par contre. Salut Maza! Bon bah amuse-toi bien Guigui sur ton live. Merci beaucoup encore une fois Yurseba. Bienvenue à vous. Ouah. Alors comment je peux l'esquiver? Pas trop envie de faire du mal à elle. Bien fait en fait. Non, elle s'est barrée. Je récupère ça du coup. Elle s'est barrée. Vous savez, ça change. Qu'est-ce que tu veux dire par ça change? Il y a, c'est plus joli, c'est. Ça change par rapport à ce que tu es en train de faire. Merci encore en tout cas, c'est gentil de ta part de m'avoir hosté. Comment ça, y a pas le doublage de qualité? Moi je trouve que c'est agréable pour l'instant. Après clairement, je suis pas un expert en doublage. Voilà. Tu m'excuseras, je vais changer mon filtre parce que je sens que je commence un peu à pomper de l'air dégueulasse. Chez toi. Ah d'accord. Ah oui, j'avais vu effectivement que t'es sur t'as pas. Attends. Je sais que ça m'a. Je m'étais posé la question quand j'avais vu que t'étais là-dessus. Dans le sens où je voulais savoir si t'avais fait les retours. Enfin pas les retours de Wolfenstein, mais Wolfenstein les nouveaux. Wolfenstein The New Order et Wolfenstein 2 The New Colossus. Après, l'autre... Ah, c'est quoi le dernier qui est sorti? The Blood quelque chose. Artyom, par ici! Ouais, je suis là, attends, il y a un document. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit?
Non, ça c'est prologue. Descends. Note 1, le jardin. Old Blood, voilà. Le New Order et le 2. Et t'avais aimé Old Blood? Parce que Old Blood, c'est... Young Blood, c'est le suivant. Non, c'est Old Blood qui était sorti entre Wolfenstein 1 et Wolfenstein 2. Parce que, vraiment, moi, je les trouve merveilleux. Les... Ils m'ont bluffé. Alors, Blood... Enfin, Old Blood, c'est pas extraordinaire, c'est juste un standalone DLC, en fait. C'est juste un petit bonus. Mais le Wolfenstein The New Order et Wolfenstein 2, je les ai énormément appréciés. Après, il faudrait que je fasse aussi celui que t'es en train de faire, Return to Castle Wolfenstein, que j'ai jamais fait, en fait. J'ai dû essayer une fois, vite fait, comme ça, mais j'ai pas retouché après. T'avais déjà aimé? Bon, ben, essaye de faire The New Order, qui est vraiment superbe, je trouve. Enfin, les deux font partie des jeux, quand même, que j'ai énormément appréciés. Maintenant, je sais tout, tout est enfin clair. Ce que j'ai vu n'était qu'une préparation. Le vrai coup sera donné au tout dernier moment, quand personne ne s'y attendra. Corbut a clamé qu'il allait en s'emparer le tout le métro sans verser une goutte de sang. Il pourrait y parvenir. Le dernier sang qu'il lui faudrait verser serait celui des combattants de l'ordre qui protègent des six. Les rouges vont les attaquer par surprise au moment précis où Moxvin signera le traité de paix avec Melnik et les autres. Voilà, pourtant si tu l'effaces. Je dis... que ce soit en vidéo ou hors vidéo... Tant qu'après tu nous racontes si t'as apprécié ou non, si tu fais du bonheur. Dieu merci, t'es vivant. Et tu as amené un ami? Attends, mais c'est... Artyom, cet enfant devrait pas être là sans masque à gaz. Mais bon sang! Ah, c'est donc ça, voilà. Un enfant de la surface, un sombre. Non, ne le tuez pas, Melnik! Alors éloignez-le de moi! Pas de masque, j'aurais dû me douter. Celui-ci est vert, mais celui-là est jaune. Dis-lui qu'il ne craint rien. On dirait qu'il s'adapte bien. Ouais, ça va l'aider à vivre. Je peux... lui parler, Artyom? Colonel Melnik, n'ayez aucune crainte. Cet enfant est le futur. Il suffit de lui prendre la main. Prends mes mains sont déjà par la main. Hein. Je doute que cette créature nous aide. Mais vous deux, partez sans moi, avant que je change d'avis. Et que je l'élimine. Non, mais je veux pas qu'on le... tue. Il est gentil. Non, mais justement, il passait bien, le Blood. Oh, j'arrive à entendre ce qu'il pense. Et toi aussi, Artyom. Tu peux entendre les pensées des gens rien qu'en les touchant. Avec Artyom, c'est différent. On peut parler à distance. Il a été... adopté il y a longtemps. Tu comprends, Artyom? Les sombres t'ont changé afin qu'ils puissent nous comprendre. Y a quoi derrière la porte? T'as entendu? Ils t'appellent. Je les entends. Ouvre vite! Y a Mister MV. Mais, on dirait une des portes scellées de D6. Oui, AVDNKH. Son verrou est gros. Mais il faut le casser. Y a quoi derrière? Ah bon? Incroyable! C'est pas vrai! Ils hibernent! Il est pas tout seul! Je dois les réveiller! Il est temps pour eux de vivre! On va tous entrer là-dedans! Vas-y! On va ouvrir la porte si on peut! Il y a... Bonne Maza! La mort! Fais de beaux rêves, prends soin de toi! Tout autour! Mais je dois les réveiller ou je serai seul à jamais! D'accord, ailleurs, Seb. Bon, écoute... J'avoue que je sais plus du tout comment ça se aide-nous passe. Aide-nous et on t'aidera! D'accord. Que faut-il faire? Je dois les réveiller. On va devoir improviser. Hé hey, réveillez-vous, Arthur! Colonel, vous pouvez ouvrir la porte au bout de la ligne des jardins à D6? Vous avez le code? J'ai tous les codes de D6, mais je te promets rien. Il faudra bien. Il va nous aider à police si vous le faites. Emmenez-le alors, et tenez-moi au courant. Si je suis sûr qu'il nous aidera, j'ouvrirai la porte. Non mais attends, y a pas de masque et on est tous sous le ciel, quoi. Oui, je vais te suivre, d'accord, ok. Ah. C'est la fin. Le métro est très très sympa. Que ce soit le 2033 ou la Skylight. Ce n'est pas le dernier.
J'ai pas encore fait Exodus. Je comprends son excitation et son désir de voir les autres plus vite. De les libérer et de les réveiller. Mais il a accepté d'attendre encore un peu. D'accord, Red. Il va d'abord essayer de nous aider. Si on parvient à la conférence, le sombre pourra ouvrir les pensées de Mosgvin ou de Corbut lui-même. Et peut-être leur faire arrêter cette folie. On va voir ça. C'est notre dernière chance. Artyom, Khan nous avait déjà dit pour Okabroskaya. Et on en a parlé avec Mosgvin. Il a même pas essayé de nier. Il a dit que leur escouade de défense chimique s'entraînait dans les environs et que malgré les sacrifices, l'escouade avait réussi à contenir l'épidémie. Sinon, elle se serait répandue dans tout le métro. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Moi aussi, je réagis de la même façon. Mais, colonel, c'était Lesnitsky, leur agent, qui avait volé le conteneur du virus dans D6, juste avant l'épidémie. Fermez la porte. Et alors? Il n'y a aucun témoin en vie à part Artyom. Qui croirait l'ordre? Nous avons D6 maintenant. Si c'était nous qui avions répandu le virus. Mais les Rouges ont tenté d'entrer sur le territoire de Hansa. Mosgvin aurait pu être... Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas une armée, on a moins d'une centaine d'hommes. Oui, Mosgvin s'est préparé à la guerre. Mais après que Polis ait suggéré de partager le contenu de D6, il pourrait accepter la paix. Et on doit tout faire pour que ce traité... C'est marrant, j'ai l'impression de revoir une scène d'Inti, quoi, limite. Quelle différence il peut faire? Ce n'est qu'un pantin de Corbut. Et pendant qu'il parle, les forces de Corbut vous encerclent. Vous scellerez le traité de paix avec votre sang. Et quoi? Vous avez une meilleure idée? Vous avez amené ce singe ici. Et maintenant, c'est fini ces histoires. On va à la chambre du conseil. Suivez-moi. L'ambiance est extraordinaire en ce jeu, je trouve, vraiment. Demande de rapport, colonel. Refusé. Envoi urgent au commandant de la force de sécurité de D6. Alerte maximum. Dites à Korneïev de poursuivre avec... Bon, il sait ce qu'il a à faire. Bon sang, pourvu que ça marche. Une guerre dans le métro mettrait en danger la vie de tous ceux qui ont survécu à l'apocalypse. Il est temps pour nous de trouver à la... Où est-ce qu'il est, journal? Après t'appeler, je me suis dit en tant qu'une faille. Moi... Oh là, c'était encore avant? Ah bah non, il est là. Alors, police... D'ailleurs, j'ai pas récupéré un deuxième journal dans le jardin. Donc, j'ai demandé à l'enfant comment il a survécu. Comment il a survécu au brasier. Maintenant, je sais. Quand les missiles pleuvaient sur la ville des Sombres, il ne s'y trouvait pas. Les Sombres, on s'est souvent demandé comment une nouvelle forme de vie sensible aurait pu émerger si rapidement. Pourquoi nous a-t-il fallu des millions d'années d'évolution alors qu'il n'a suffi au son que quelques années? La réponse était simple. C'était nous, les hommes, qui les avions fait naître. Ils sont apparus au milieu de nous. Sukhoi, mon beau-père, avait raison. Ils sont la prochaine étape, ou prochaine phase, notre évolution. Ils nous succèdent, nous étions leurs pères, ils étaient nos enfants. On avait créé des tas d'armes avec lesquelles nous détruire, et l'une d'entre elles leur a donné naissance. Ils ne sont pas comme nous, ce qui nous tue ne les rend plus forts. On les a laissés dans un monde ravagé, empoisonné, mais ils ont appris à y vivre. Ils survivent en absorbant des radiations. Lorsqu'ils naissent, ils n'entrent pas tout de suite dans le monde. Pendant un temps, ils continuent à exister dans un rêve pour agrandir et apprendre grâce à eux qui les ont précédés. À ceux qui les ont précédés. Nous avons détruit leur maison, mais c'est sous la terre que dormaient les plus jeunes, près des jardins botaniques, près de la tour de télévision, c'était dans les bunkers, sous les bâtiments TV connectés à D6. Mais quand les ogives sont tombées, les tunnels d'entrée se sont effondrés. Les sombres qui étaient sur le point d'entrer dans le monde ont été bloqués à l'intérieur.
À leur place, le petit sombre a ouvert les yeux, réveillé par l'explosion et dernier cri de sa mère, sans savoir ce qui était arrivé. Préparé à rien, ne sachant rien du monde, il a tenté de rechercher les siens, mais il n'a pas pu les trouver, car les quelques survivants ont continué à dormir. L'heure du réveil était passée. Il pourrait bientôt mourir de faim sans jamais avoir ouvert les yeux. J'ignore comment Khan a pu persuader Melnik, mais il était en ne peut plus stoïque et il n'a pas attrapé son arme lorsqu'il a vu le sombre. D'accord. Les événements qui ont suivi m'ont encore plus choqué sur les plans des Frouges. Il y avait les sombres AD6. Khan avait émis l'hypothèse qu'ils avaient été créés artificiellement avant la guerre. Pour en faire quoi? Des salvats immunisés contre les radiations et pouvant se passer des communications vocales? C'est possible, mais Dieu a sûrement décidé de leur insuffler des âmes. Coucou The Dames Meister, comment vas-tu? Merci de m'avoir perdu pour le journal. Hein. J'aime bien ces jeux quand même où on est ralenti pendant un moment que ce n'est plus vraiment un FPS, mais enfin si on arrive côté shooter quoi. Et on est observateur d'une séquence, d'une scène qui profite à l'ambiance, on va dire. Je trouve pas ça désagréable. Prépare-toi Arthur. Reste près du petit. Hourra, camarade! Que règne la paix! Au nom de nos enfants! Quel menteur! Khan, t'as perdu la tête! Je sais ce que je fais! Il faut me faire confiance! Juste pour cette fois! Qui êtes-vous? Garde! Emmenez cet homme! Rangers, reculez! Artyom! Petit! À vous de jouer! Attention! Attention! Me déplacer. Ne voyage dans un long tunnel. Infini le tunnel. Attends, on n'y est pas encore. Bah je cours, j'essaye. Il y a quand même des débris au plafond, c'est un peu bizarre ça. Pourquoi il y a du carrelage collé au plafond? Camarade Mosklin, il faut que tu m'aides sur ce coup. Ou sinon, des détails gênants pourraient ressurgir concernant la mort de ton frère. J'ai entendu une conversation entre ton frère et son conseiller au sujet de la menace que tu as. Merci beaucoup pour l'abonnement, Shiro. Ainsi que des moyens de l'éliminer. Bienvenue dans ma bulle, bienvenue parmi nous. Assieds-toi confortablement en espérant que ton sera bien ici. C'est sympa, merci en tout cas. Il pense que tu te crois lésé et trompé. Il craint que tu veuilles le renverser. Il est complètement fou. Complètement. Je vais aller lui dire ce que je pense. Les mots ne suffiront pas à arrêter son projet d'assassinat. Il faut que tu frappes le premier. Ah, monsieur, c'est un peu un délire. T'entends, j'arrive. Celle-ci. Maxime, mon frère, je suis heureux qu'on ait enfin réussi. Cette dispute était infondée. Trinquons ensemble. D'accord, mon frère. Paf! À l'unanimité, Maxime Leonidovitch Mosklin a été tué par le celle-ci. Félicitations, tu ne dis rien. Pourquoi tu me regardes avec tes grands yeux honnêtes? C'est ta faute. Qui voulait me tuer? Gambut t'a dénoncé. Et maintenant, il me tient par les couilles. Tout ça à cause de toi.
Très violent, ça, comme explication. Pourquoi forcément pas les couilles? Pardon. Je suis désolé, mon frère. Je ne serai jamais pardonné. Mais je suis... Désolé. Désolé. Non, mais t'arrêtes pas tout de suite. T'arrêtes pas tout de suite. Faut pas t'arrêter tout de suite. Gamin, tu marches plus? Est-ce que j'ai dit ça tout fort? Il est où le gamin? Alors tu m'as donné quelque chose. Comme ce que j'ai donné à mon frère. Oui, j'avoue. Je l'ai empoisonné. Moi. Mais Corbett. Je suis idiot. Je croyais qu'il voulait me sauver. Et il s'est emparé du pouvoir. Il m'a pris à la gorge. Et il s'attaque à D6 maintenant. Et il y a ce virus. S'il tombe aux mains de Corbett, c'est la fin. Mais c'est vous le leader. Imposez-vous. C'est tête cocorne. Appelez les troupes. Arrêtez-les au moins. Fumier. Gagnez du temps pour passer un marché. Je ne peux rien faire ici. Vite, leader. Allez. Sur le quai. De salut. Bon sang, je perdrai pas D6. Suivez-moi. Est-ce qu'il y a du blabla là ou pas? Tum. Tum, tum. Du, du, du. Coucou Trinita, du coup, comment vas-tu? Tum, tum. Tum, du, du, du. On me donne une super armure? Wouh! Ça promet de piquer. Eh, Anna, coucou! Coucou, Contrôle-M! Comment ça va? Mais Anna! Anna! Tu viens pas avec nous? Ce sera mauvais pour tout le monde si tu perds. Alors je demanderai leur aide. Bah, je vais bien, je te remercie. Ah! Le dernier combat. Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, il a rejoint les siens. Je ne le jugerai pas pour ça. Ce qu'il reste de l'humanité est en train de s'entretuer dans un dernier combat. Cette guerre n'est pas la sienne. J'espère qu'il a pu nous pardonner. Moi, pour ce que j'ai fait à ses frères et sœurs, à sa mère et à son père. Et oui, mais c'est l'heure de la coupure de rediffusion, vous vous en doutez. Donc j'espère que cela vous a plu, vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Et non, je n'ai pas changé de cam, c'est la même. Allez, à tout de suite. Pam 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 p